Docteur Marcel Kwandu, c'est quoi la famille? Aujourd'hui, il faut voir encore un autre problème. Qu'est-ce que nous appelons famille? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que nous appelons famille? Ça pose tout un tas de problèmes. Ce n'est pas une addition d'individus qu'on va appeler famille. Dans la famille, il y a des rôles, il y a des statuts, il y a des projets, il y a des objectifs à atteindre. Il y a des gens qui vivent ensemble qui ne font pas une famille. Mais oui, quelqu'un peut bien se mettre avec une famille, font des enfants, mais alors qu'ils ne forment véritablement pas une famille en termes de responsabilité, en termes de rôle et statut, en termes de devoir, en termes de position relative par rapport à, en termes de durée, en termes de fréquentation, c'est tout sauf une famille. On partage quelle valeur? On veut atteindre quel objectif? Quel but? C'est ça le problème. Ah oui, il ne suffit pas d'accoucher un enfant pour être un parent. On peut être géniteur sans être un parent. Parce que être père, c'est toute une fonction sociale. C'est toute une responsabilité. C'est à, ah oui, et à tout don. Chacun, on sort des familles, c'est-à-dire que, puisque c'est quelque chose qui concerne la société, toutes les instances de la socialisation doivent être touchées. Le parent est un enseignant, ce qu'on oublie. À l'école, le maître ou le professeur est aussi des enseignants. À l'église, le prêtre ou le pasteur est un enseignant. À la mosquée, l'imam est un enseignant. Alors, ceux qui tiennent des activités, le boutiquier au quartier est un enseignant. Il enseigne un type de comportement. Il enseigne une certaine façon d'être, oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne? Surtout, parce que si on a quelque chose qui peut unir les gens, c'est pour ça que j'ai parlé des valeurs, qu'on mette des bonnes valeurs aujourd'hui, qu'on mette des bonnes valeurs. Je vous ai dit, j'ai l'impression que nous sommes en train de tomber dans le piège de l'économie du marché. Tout le monde veut s'enrichir à tout prix.